Salut les gars de la Porte à Jésus, écoutez, je veux partager quelque chose de dingo avec vous là qui m'est arrivé. J'ai été invitée à témoigner par les prêtres de la communauté Saint-Martin à Sarcelles. Sarcelles, c'est quand même assez chaud. Et à Sarcelles, voilà, donc super, c'était pour la Toussaint. Et moi j'ai demandé en amont, comme à chaque témoignage maintenant que je fais, j'ai demandé à ce qui est une procession avec le Saint-Sacrement dans les rues. Et donc ils ont dit oui. Et j'ai filmé avec mon iPhone en fin de vie, quoi. Et en fait, donc ça se passe la nuit, hein, il n'y avait pas d'autre possibilité que ce soit la nuit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, quand on veut nous faire croire que en fait, l'Église est morte ou elle est mourante, elle est agonisante, qu'il n'y a que des vieux, hein, les vieux, je vous kiffe, vous le savez très bien, mais il n'y a pas que des vieux à l'Église, il y a aussi des jeunes. Et je peux vous dire que durant cette procession et durant le témoignage, l'Église était pleine à craquer, c'est des centaines de gens, d'accord, qui étaient dans la rue, comme vous allez pouvoir constater. La moyenne d'âge, c'était genre 35 berges, quoi, truc de ouf. Et il y avait plein de gens qui étaient vraiment des super jeunes. Et pour preuve, simplement, les curés m'ont dit, et j'ai pris des notes parce que c'est tellement surréaliste, que en fait, le curé donc de l'église Don Hugues, il s'appelle Don, vous savez, comme Don Camillo, mais c'est pas Don Camillo, voilà, c'est un petit peu au-dessus, on va dire, au niveau de la doctrine. Regardez bien qui est sur cette moto, c'est le curé qui vient de m'inviter de l'église quoi, père ? Saint-Jean 23 de Sarcelles. Saint-Jean 23 de Sarcelles, et j'espère que vous avez vu, donc il a une super bécane et tout, et il est en plus, eh bien, habillé comme un vrai curé. Avec la soutane. Merci père. Eh bien, Don Hugues et le bébé prêtre extraordinaire qui m'a invité, Don Ambroise. Père, tu peux me dire ce que tu viens de me dire? Vas-y. La policière a été baptisée les mains. Eh bien, ils m'ont dit, tenez-vous bien, qu'en fait, il y a, donc, concernant Don Hugues, j'ai pris les notes, attendez, sur mon carnet, parce que c'est tellement énorme, quoi, je veux dire. Alors voilà, Don Hugues, il prépare, il y a 72 adultes, d'accord, qui lui ont demandé des sacrements, là, cette année. Évidemment, il ne va pas pouvoir leur donner tous en même temps, parce que c'est sur 2 ans la préparation, notamment au baptême. Mais donc, 72 adultes qui ont demandé un sacrement, d'accord, ça peut être baptême, première communion, confirmation, tout ça. Mais dans les 72 adultes, il y a 50 baptêmes. Vous rendez compte, sur 72 adultes, pour une paroisse à Sarcelles, il y a 50 baptêmes de demander. Et tenez-vous bien, pour le bébé prêtre, donc Ambroise, le beau gosse, eh bien lui, il a 67 jeunes, 76, hein, je regarde sur mes notes, 76 jeunes qui demandent un sacrement. Donc pareil, ça peut être baptême, ça peut être première communion, confirmation. Et sur les 76 gamins, il faut savoir qu'on parle de gens qui vont de la 4e à la terminale. Donc vraiment des jeunes, quoi, des jeunes, hein, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Eh bien, sur les 76 jeunes de la 4e à la terminale, eh bien, il y a plus de 40 baptêmes, demandes de baptême. Donc les gars, c'est très simple. Attendez, je change de bras parce que j'ai une crampe. Enfin, pas une crampe, mais bon, voilà. Du coup, je perds le nord. Attends, qu'est-ce que je voulais dire, quoi? Merde, qu'est-ce que je voulais dire? Ça y est. Ouais, ça y est, ça me revient. Ce que je voulais dire, c'est que quand le monde antichrist, quand les médias, certains médias veulent nous faire croire que, donc, comme je le disais au début, que l'Église est mourante, que Dieu n'intéresse plus personne, et encore moins le Christ, et bien les gars, laissez-moi vous dire, vous savez quoi? Là, je ne suis pas dans une église, donc je peux parler cash. C'est des conneries. La preuve. Vous allez voir ces images qui sont extraordinaires. Vraiment, moi, j'étais émue jusqu'aux larmes, quoi. Vous allez voir, donc, faites tourner à donf, les gars. On a besoin de voir qu'on n'est pas seul et que Dieu est là
et que nous aussi, quoi, et que on assiste vraiment à une espèce de vrai printemps de retour vers la foi, notamment par rapport à tous ces adultes et tous ces jeunes qui, comme jadis, ils allaient demander les saints sacrements pour faire plaisir à Mère Grand. Là, maintenant, les gars, ils sont vraiment là pour les beaux yeux du Christ. Yes! Allez, à tout de suite! Ciao! Témoignage à Sarcelles précédé de la procession du Saint-Sacrement en réparation des outrages sacrilèges, froideur, péché, blasphème, indifférence faites au très Saint-Sacrement, au précieux corps sans âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et spécialement par rapport au blasphème fait contre la Sainte Eucharistie à l'ouverture des Jeux Olympiques. Seigneur, on est là tous pour toi, en plein Sarcelles. Yes! Merci d'être là. Bon courage à vous, jeune homme. Dieu vous bénisse. Yes. Oh Seigneur, quelle joie d'être en plein Sarcelles avec toi, Seigneur. Quelle joie et tous ces frères et sœurs courageux et ces prêtres et ce jeune prêtre, le père Ambroise de la communauté Saint-Martin, un bébé prêtre qui en a vraiment et qui va assurer parce qu'il assure déjà. Salem danse de joie. Père, tu peux me dire ce que tu viens de me dire? Vas-y. La policière a été baptisée l'année dernière. La policière qui est là devant, l'année dernière. La policière, décidément, c'est... Je chante ta louange. Énorme. Qu'on me dise pas que croire en Dieu, c'est pantouflard ou c'est fait pour les vieux ou les handicapés. Il est plutôt rock'n'roll, notre Seigneur, non? Gloire à toi, je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. Super flic et tout. Regarde ça. On est bien encadré, merci à la police. Franchement, c'est pas du luxe. Trop fort. Dingo, qu'est-ce que je kiffe, les gars de la bande à Jésus, là, qu'est-ce que je kiffe cette procession, c'est surréaliste, en plein Sarcelles, et c'est la rue, là, où, voilà, quoi, il y a les règlements de compte, les dealers, enfin, la faune totale de gens qui sont malheureusement sans Dieu et qui se transforment en fauves, en bêtes sauvages. Monde entier. Miséricordieux pour nous et pour le monde entier.